qui est présent matin dans la conférence de presse ici à dans local secteur démocratique et populaire, nouveau local secteur démocratique et populaire. Une autre fois encore, bienvenue journaliste dans nouveau local secteur démocratique et populaire. Conférence de presse matin, c'est pour secteur démocratique et populaire fixer position politique sous une série de points qui sont très importants dans la conjoncture politique. Là. Premier élément, nous connaissons tous notre position secteur démocratique. Là. Et ce n'est pas nous-mêmes seulement comme journalistes, population en général, diaspora, depuis avant-hier, il y a tant de positions secteur démocratique et populaire hein, sous mission spéciale OEA qui en Haïti, qui matin là, commence à rencontrer une série d'acteurs politiques dans l'opposition, dans la société civile. L'information dans le sujet ça qui s'allie. Effectivement, secteur démocratique et populaire, à travers porte-parole Libert André Michel, te recevoir une invitation de bureau permanent OEA en Haïti. Et d'après invitation ça, nous te supposé jeudi à 3h rencontrer avec la délégation du Conseil permanent de l'OEA qui de passage en Haïti dans le bureau permanent OEA dans Pétionville. Nous t'invitons nous pour nous te rencontrer. Nous connaissons son mission spéciale qui est composée de 5 ambassadeurs. Ambassadeur américain dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur Grenadine Saint-Vincent dans l'OEA, ambassadeur Équateur dans l'OEA. Après débat, vous connaissez le secteur démocratique là, ce n'est pas 2 mondes qui la donnent, ce n'est pas 5 mondes, ce n'est pas 10 mondes, c'est large. Après discussion, après débat, dans le temps secteur démocratique et populaire, après consultation dans le temps tout dirigeant national, après nous fin consulter toute représentation secteur démocratique là à l'échelle départementale, dans chaque département, là nous fin parler avec représentants secteur démocratique là dans la diaspora, ça veut dire États-Unis, Canada, en Europe, République Dominicaine, un peu partout à travers le monde, Brésil, Chili, nous arrivons à conclusion ça. Et la nouvelle est claire, secteur démocratique et populaire, les papes participer dans la rencontre qu'a faite avec l'OEA jeudi. Nous étions supposés aller dans l'OEA jeudi à 3h, à rencontrer les membres de la délégation. Hein? Ensemble avec l'autre monde qui sous terrain politique là, mais la décision qui a été adoptée, je dirais même à l'unanimité, c'est que le secteur démocratique et populaire, par rapport à sa ligne de combat, par rapport à engagement politique, par rapport à responsabilité, n'est pas capable de participer dans la réunion avec l'OEA. C'est la décision du secteur démocratique et populaire. On ne va pas participer cet après-midi à cette rencontre avec la délégation, avec la mission spéciale du Conseil permanent de l'OEA. Mais comment nous faisons ça? De toute façon, nous avons diplomatie. Nous sommes des hommes et des femmes d'État. Nous écrit un document de 9 pages et nous allons le distribuer là. Il traduit en anglais son document en français, con traduction créole qu'a fait. Son document de 9 pages, dans document ça, que nous voyons bail, M. Cristobal Dupuy, qui est
qui est le représentant permanent de l'OEA en Haïti, que nous voyons bail, ambassadeur américain dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Saint-Vincent Grenadine dans l'OEA, ambassadeur et Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur et Équateur dans l'OEA qui fait partie de mission, hein? Nous disons très clairement, le secteur démocratique et populaire n'est pas capable de participer dans la rencontre aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, nous estimons, le secteur démocratique et populaire estime que l'OEA a un comportement de complaisance politique dans la crise là. Et il a une responsabilité morale et politique dans la crise du pays d'Haïti à vivre aujourd'hui. Nous disons dans le document ça, que OEA assisté, OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse. Te gen plus passé 7 élections pour te faire dans le pays à le parfait. OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé la justice. OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse crasé la police. OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse crasé le parlement. OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a violé droit monde. Pendant Jovenel Moïse a massacré monde. Nous dit OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a massacré, assassiné monde, la Saline, Bel Air, Cité Soleil. OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse avec le gouvernement l'a metté Genève dans le pays a cap kidnappé monde, violé monde, tué monde. Nous dit pour raison fondamentale ça, secteur démocratique et populaire fer de lance de cette bataille, il n'est pas capable de participer dans la rencontre avec mission spéciale l'OEA parce que l'OEA ils ont complicité politique, ils ont responsabilité morale dans la grave crise qu'a crasé le pays aujourd'hui. Mais deuxième raison fondamentale, OEA, c'est une organisation à travers M. Almagro qui prend position très clairement, qui dit mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2022, alors que la constitution haïtienne est claire, en son article 134-2, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin depuis le 7 février 2021. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale, le pouvoir judiciaire, le CSPJ, lui prend une résolution de constater le mandat Jovenel Moïse fini. Malgré ça, l'OEA a besoin de l'autre bagage. Il y a des universités américaines, Harvard, New York et autres qui disent mandat Jovenel Moïse fini. Les barreaux d'Haïti, la Fédération des barreaux, ils ont dit mandat Jovenel Moïse fini. Toutes les structures de la société civile, ils ont dit mandat Jovenel Moïse fini. Gagné tout secteur protestant qui dit mandat Jovenel Moïse fini. L'Église catholique, à travers la conférence épiscopale d'Haïti, lui prend position très claire quand elle reconnaît mandat Jovenel Moïse fini. La diaspora haïtienne reconnaître mandat Jovenel Moïse fini. Il y a des congressmen américains qui reconnaissent mandat Jovenel Moïse fini et que pas qu'à gagner élection avec Jovenel Moïse. Malgré ça, l'OEA continue à supporter Jovenel Moïse. L'OEA continue à parler de l'élection. Et nous dit pour toute raison ça, yo, le secteur démocratique et populaire, fer de lance de cette bataille, n'est pas capable de participer dans la rencontre avec l'OEA. Parce que l'OEA a une responsabilité morale et politique dans la crise là. Parce que l'OEA prend une position qui dépend avec la position de la Constitution sur la fin du mandat de Jovenel Moïse. Mais nous disons, dans cette situation, nous ne pouvons pas répondre. Maintenant, l'OEA, lorsque la communauté internationale va comprendre que effectivement mandat Jovenel Moïse fini, que effectivement pas capable d'une élection avec Jovenel Moïse, lorsque la communauté internationale aura compris que pas de cohabitation qui possible avec Jovenel Moïse, la communauté internationale la comprendre que le seul débat qui s'impose aujourd'hui en Haïti, c'est qui Jean n'a fait article 134 de constitution à respecter. Comment la facilité et que crise la résoudre, prisonniers politiques libérés, yo suspendre tout le monde dans le quartier populaire. Comment la facilité l'installation
de Maître Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, que nous avons choisi pour diriger la transition de rupture. Peuple a acclamé déjà, eh bien, le ça, secteur démocratique là, a gardé qui ça va capable de dire avec la communauté internationale là. Parce que mes chers amis, en ce qui concerne le choix de Maître Joseph Mécène Jean-Louis, le secteur démocratique et populaire a une position morale. Parce que pour nous, il n'y a pas de politique sans conviction, il n'y a pas de politique sans éthique. Moi, rappelez, 7 février dans la soirée, moi, j'ai fait partie de une délégation de dirigeants politiques. Je ne vais pas citer nos monde parce que je ne vais pas dénoncer personne. Nous sommes à la caille Joseph Mécène Jean-Louis. Nous n'allons pas là avec lui. Le ça, toute classe politique là, était bien content. Là, nous arrivons à la caille. Madame Mécène Jean-Louis, il était très réticente. Madame nous dit, bon, je venais là toujours pour qu'on aille, pour que ça nous puisse permettre Mécène, pour nous dire, pour l'accepter, pour le vivre président provisoire. Nous connaissons Jovenel Moïse qui a voulu assassiner, il a voulu tout y aller. Il a voulu mettre une menace sur nos familles. Moi, je parlais dans le téléphone, je sois ça, avec petit, petit fille, petit garçon. Il y a un Haïti, il y a un qui est à l'étranger. Je dis, mais papa, je ne suis pas capable de prendre Goris Sayo. Parce qu'on connaît papa, nous ne voulons pas tellement rentrer dans la politique. Il n'y a pas de faire politique dans la ville. C'est un juge, il était toujours là. C'est toujours un magistrat. Mais c'est Jean-Louis a tranché ce soir-là. Avec autorité, avec liberté, avec autonomie. Mécène Jean-Louis a dit, à mon âge, il est venu le moment de me mettre au service de mon pays. Et pour cette raison fondamentale, étant donné que CSPJ, le pouvoir judiciaire codépositaire de la souveraineté nationale, il prend résolution du constaté mandat Jovenel Moïse Vinay déjà, et que là, bon, vacances présidentielles, moi-même, Joseph Mécène Jean-Louis, grand papa, c'était petit Jean-Jacques Dessalines, garçon-canson. Grand maman, sorti dans la famille Jean-Jacques Dessalines, garçon-canson. Moi-même tout, moi c'est descendant du général Jean-Jacques Dessalines, garçon-canson. Moi accepté pour moi servir le pays. Moi accepté avec nous, messieurs, dames politiques, messieurs, dames société civile, yo, moi accepté pour me jouer le rôle président provisoire et m'a fait déclaration, hein, même si après, je vais étouiller, même si après, je vais mettre du feu la caille, moi, m'a fait déclaration, m'a pris responsabilité avec moi. De ça, de 11h30 du soir, pral dans minuit, le mécène campé devant nous, lui dit ça, tout le monde tremblait. C'était un homme courageux, c'est un homme courageux qui a décidé en toute conscience, en toute liberté, contre la position de sa femme, contre la position de ses enfants. C'est un homme d'État. Voilà pourquoi nous disons que nous devons respecter les sacrifices de ce magistrat de carrière. Nous devons respecter et apprécier les risques que famille prend et l'accepter d'entrer dans Baraïsa. Et tout de suite après, Jovenel Moïse révoquait Mécène Jean-Louis comme juge à la Cour de cassation. Tout de suite après, Jovenel Moïse mettait interdiction de départ contre Mécène Jean-Louis. Jodi a, si Mécène Jean-Louis besoin à l'hôpital au Canada, il n'y a pas aller. S'il besoin à l'hôpital aux États-Unis, il n'y a pas capable aller. Jodi a, c'est une affaire de morale politique. Nous ne pouvons pas aller au matin. Quand la peau qu'on chante, on froid pour nous oublier, nous avons choisi Joseph Mécène Jean-Louis. Voilà pourquoi le secteur démocratique et populaire réitère son attachement au choix de Maître Mécène Jean-Louis, au choix de ce magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, pour diriger la transition de rupture. Et à celles et ceux qui étaient comme nous, autres du secteur démocratique et populaire, impliqués dans ce choix, dans le choix de Maître Joseph Mécène Jean-Louis, nous voulons leur dire, attention, on ne fait pas de politique de cette manière. On ne fait pas de politique de cette manière. Écoutez, il ne faut jamais en politique échanger ses convictions en échange d'avantages personnels. Et quand vous échangez vos convictions parce que vous cherchez des avantages, vous savez ce qui arrive. Un, vous perdez vos convictions, vous n'avez plus de convictions. Et deux, vous n'aurez pas les avantages. Voilà pourquoi
le secteur démocratique et populaire. Réitère, ici à Delma 75, en son nouveau local, son attachement au choix du juge Joseph Messène Jean-Louis pour diriger la transition de rupture. Et nous demandons à toutes les bases du secteur démocratique et populaire, nous demandons à tous les citoyens, à toutes les citoyennes de la nation, nous demandons à la diaspora de continuer à supporter ce choix. Et nous demandons à tout le groupe dans l'opposition, dans la société civile là, pour retourner exactement côté ODEA. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Et le plus important, c'est que, un, le choix de Maître Messène, c'est un choix consensuel. Et deux, c'est que ce choix a été acclamé par une bonne partie de la population au cours de manifestations populaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Maître Joseph Messène Jean-Louis, il pas pour tête encore, il pas pour nous seulement, population qui est en prendre. Et hier, m'attendait, mon cap coordonné activité, Messène Jean-Louis, dans la radio, et dans l'émission Intersection, c'est M. Pierre-Aubert Auguste, il dit, Maître Joseph Messène Jean-Louis, il a toujours été président désigné pour diriger la transition. Il dit, Maître Joseph Messène Jean-Louis, il pas fait blocage pour l'empêcher en solution nationale. Si au moment qui arrive, il faut le faire sacrifice, la garder. Mais pour le moment, la population supporte. Il y a un support en bas de monde dans le pays. Il y a un support secteur démocratique et populaire. L'irrité président désigné pour diriger la transition. En politique, c'est comme ça que ça se fait. Il faut un peu d'éthique, il faut un peu de morale. Il faut respecter les sacrifices des autres. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Voilà pourquoi, encore une fois, pour terminer mon intervention, nous réitérons une cinquième fois notre attachement à ce choix et nous demandons à celles et ceux qui, comme nous, étaient impliqués dans ce choix, de reconsidérer leur nouvelle position, de retourner à la raison, parce que la politique ne se fait pas sans éthique, elle ne se fait pas sans compréhension, elle ne se fait pas sans humanité, mais ce n'est pas par nous. Parce que yo toujours répondre à appel secteur démocratique là et yo ba nous une large diffusion de tout article nous de tout ça nous gagnons. Bon c'est ça, c'est intéressant. Et m'a dit la presse joue un rôle capital dans la bataille qu'on fait là. Et pendant maintenant André a parlé là, il y a un bagage qui vient dans la tête. Moi, je dis, ah, peuple haïtien a raison. Fait secteur démocratique la confiance. Parce que peuple haïtien, son peuple qui est intelligent, et il connaît que le secteur démocratique prend engagement, la respecte engagement. Et je dis à son témoignage clair, flagrant, qui montre le secteur démocratique la pas trahi moun. Et c'est dans ce sens-là le pape trahit Messène. Et c'est ça qui dit tout, que le pape trahit la revendication du peuple. Et n'a pas été attaché à toute revendication du peuple. Et cette fois-ci, il faut le peuple arriver côté de lui. C'est dans ce sens-là qu'on a continué à féliciter tous les partisans du secteur démocratique, partout à travers le pays. Dans la diaspora, dans le département, si tout côté nous t'est passé pendant tournée contre référendum, côté yo t'est acclamé nous, yo t'est accueilli nous avec un pile contentement. C'est un succès total capital. C'est grâce avec moun sa yo que yo tande message yo qui force tout ennemi changement yo. Moun antidémocratique yo, pou yo konnen que yo pas ka marcher sous constitution peuple là, yo pas ka faire coup d'état sous constitution peuple. M pa ka saluer la presse tout qui te permettre que message ça yo publier. Si tout la presse qui te journal radio journal etc., pas de les prend spot. M te ka dit spot scélérat ça. Spot pour te mettre pays là. Non, chaos total. M pa ka saluer courage radio ça. C'est l'argent et pas tout le monde qui a fait bac devant l'argent.
m'pa kapa salye tout. Tout secteur qui prend position contre référendum. C'est vrai gen si la qui pas ka descendre sous terrain. Mais ça qui sorti note qui prend courage qui dénonce nous pas kapa salye. Mais ay bobo tout pour ça prend terrain qui marchait, qui parlait avec peuple là. Et gen des journalistes qui fait reportage qui montrait comment peuple a opposé avec question référendum ça. Félicitations pour vous. Nous pas capable pas dit prisonnier politique nous courage parce que nous dans combat dans bataille. Si je dis à peuple haïtien qu'a fait monsieur dame PHTK comprendre yo pas qu'a fait coup d'état sous constitution pour yo pon yo constitution pour protéger tête yo amen. Prisonniers politiques nous mettent bien l'espoir qui a sorti côté. C'est dans ce sens ça, n'a dit tout secteur te met tête ensemble pour faire échec avec référendum criminel ça, malachong ça. Amen besoin tout secteur ça pour mettre tête ensemble pour nous faire échec avec question élection malachong, élection bouille vide, élection 104 électorale. Élection dans insécurité côté c'est guerre qu'a fait dans quartier populaire moun a quitté la caillou côté c'est caillou qu'a brûlé à qui ça va voter comment va voter moi vle international là comprendre ça qu'a passé dans le pays même intelligence qui pousse elle comprendre que référendum n'est pas possible et que rive tendez international à tout peuple haïtien mais c'est même raison ça yo jodi a qui expliquait que l'élection pas possible à Jovenel qui mandat fini depuis 7 février 2021 et demander pour tout le monde faire un seul parce que bataille là est longue. Nous faisons première bataille contre le référendum non mais deuxième manche bataille là c'est contre l'élection bouille vide. L'élection ça a toujours accouché l'autre par l'autre bagaille coup d'état il a toujours accouché massacre. Yo toujours accouché la misère, grand goût. Yo toujours accouché de kadou jeune, yo kap kite pays pa bande pa paquet. C'est ça élection malachong sa yo, élection téléguidée sa yo, élection blanc vin fè pour nous. Ah ben nous même nous dit élection a fait en dans pays a automatiquement que Jovenel quitte palais national, automatiquement sécurité commence retourner dans quartier populaire yo, automatiquement que tout le monde gen 4 nan men yo pour aller voter, élection a fait en dans pays a. Parce que c'est le moyen pour permettre que des dirigeants qui arrivent au pouvoir de façon démocratique. Mais il faut que la transition de rupture la fête pour permettre qu'elle mette le pays à s'ouvrage, pour permettre qu'elle mette le pays à des cadeaux sur route progrès avec croissance. Et moi, je crois que c'est important pour tout le monde mettre les mains ensemble pour une bataille pour nous permettre que PHTK, blanc américain, parce que ça qui a passé là aujourd'hui, avant de dire nos bagages, la presse, pour me finir. Je dis nous qu'on bataille qu'a fait là. C'est blanc américain avec peuple haïtien patriote nationaliste qui a goumé là. Blanc américain veut faire élection, bah nous pour que mes pays a dans situation qu'il y a là sans pas de sécurité, sans que moun yo pa gen 4, ça m'pa ka comprendre ça. Majorité population pa gen 4, non mais nous dou pas faire élection, à qui est-ce qu'on va faire? Ça veut dire blanc américain veut faire élection. Alors que nous-mêmes nous disons, nous ne pouvons pas faire élection pour y vider encore. Avant l'élection, en fait, nous avons ensemble des mesures qui doivent prendre pour permettre que cette fois-ci, nous mettons le pays vraiment sous rail développement croissance. Ça, il faut que nous fassions et nous prenons engagement pour nous faire. Ça veut dire, la bataille qu'on fait là, nous voulons que les Américains attendent nous. Nous ne disons pas non avec l'élection, mais nous disons qu'il faut conditions réunies d'abord avant d'entrer dans la question élection. Et c'est peut-être ça. Nous en consultation avec toute force dans la vie nationale, tout secteur dans la vie nationale, tout groupe politique, société civile, pour nous arriver à organiser nous, pour nous déguerpir Jovenel le plus rapide que possible. Amusement, Jovenel a mis un référendum, question élection qu'il connaît pas qu'à faire, pour nous parler de bagages, ça a oublié de guérissement. Nous ne pouvons pas entrer dans ça, et c'est peut-être ça qu'on a demandé tout secteur. Continuez pour te poler. Tout le monde, Jean-André Sodila, ressaisis-nous.
Parce que Oya, c'est il pas qu'à juger parti à la fois pour penser qu'il a porté une solution pour les Haïtiens. Oya pas jamais porté solution pour les Haïtiens. Ça veut dire c'est nous qui pour prendre destin en main et c'est peut-être ça moi crois. Unité, convergence qui est dégagée contre référendum non, en kembe unité ça, en kembe convergence ça, en kembe compréhension ça, intelligence ça pour nous river faire échec avec élection l'enfer, élection malais, élection danger que blanc américain avec PHTK voulait fourrer dans gorge. Moi crois avec peuple haïtien que ça pas privé fait. Et moi crois avec peuple haïtien, tout secteur dans vie nationale là, n'a privé des guerres Jovenel, crois pas. Jean-Major mandé là, nous mandé la paix tout côté. Nous mandé pour peuple là manifester, exprimer parce que nous non combat jodia. Et faut que nous déguer puis Jovenel définitivement dans le palais national. Chaque fois nous déguer puis Jovenel, il rapide lui puis bon pour nous. Si Jovenel devait aller, je dis à pas d'abgain ça qui a passé dans le pays là. La police effondrée, l'État effondré, ces commissariats marchés pour un, ces moun ne cap quitter quartier la caillou, ti moun, femme enceinte, grand moun, mes amis. Nous pas dans la situation, hein? Mais mettez-nous là dans pour nous. Comment moun ça a souffri, je ne dis à. Il n'y a pas de caille, il n'y a pas de côté pour dormir. Il y a gagné dans l'univers. Il y a beaucoup de choses. L'État a abandonné. Et nous-mêmes, au niveau secteur démocratique, là, nous prenons engagement. Dans la transition de rupture, là, bagaille ça va pas finir. Et le pays a pas réconcilié avec tête. Et nous allons faire réinsertion dans le quartier populaire pour permettre que tout le monde rentre dans la vague changement qui a prôné pour l'autre pays, pour l'autre Haïti, côté haïtien qui a fait de lui. Merci.